Vietnamien. Je suis exilé en France depuis longtemps, mais l'éloignement ne signifie pas oubli pour autant. Je pense toujours à mon pays qui est privé de liberté, où sévit un seul régime communiste qui n'autorise pas la liberté d'expression, les droits de l'homme et qui opprime son peuple. C'est pour ça que je me bats pour la liberté de mes compatriotes. Pour moi, marcher pour la liberté est primordial, puisque la liberté, c'est un droit, mais c'est aussi, des fois, un combat pour avoir la liberté. La liberté de soi-même, bien sûr, mais aussi la liberté des autres. Il faut se battre pour notre liberté, pour la conserver, et surtout se battre pour ceux qui ne sont pas libres, pour ceux qui sont privés de liberté, comme au Vietnam, comme en Asie. Je suis venu aujourd'hui avec ce panneau, avec le mot « Tự do », ce qui signifie « liberté » en vietnamien.